Je suis vraiment tannée là, que tout le monde parle dans mon dos là, pis qu'ils disent que je suis suiveuse. Là. Comme, ok, là, je suis la mode et les tendances, là, mais comme. J'ai une amie. Une bonne amie. On s'entend bien. Pas mal la meilleure amie que j'ai eue de toute ma vie. Puis depuis le temps que je suis là, ben, j'en ai eu pas mal des amis. Mais elle, c'est pas pareil. Un peu comme le film avec Julia Roberts. On fait un deal une fois, on est allé à Montréal, un petit coin de Vosges. On était un petit peu assommé, mettons. Puis on a fait un deal comme quoi que, rendu vieux, si on l'avait manqué, notre âme sœur, bien, on se marierait pour ne pas être seul. Il n'y a personne qui veut être seul. Mais là, je suis pas sûr. Je rencontre un homme, puis elle a l'air d'être bien avec. Tu sais, là, genre, oui, j'étais allée comme en hygiène dentaire parce que je suivais mon ami, ça me tentait pas de me casser la tête, là, mais crime, là, ça fait pas de moi une suiveuse, là. Je me sens tellement lâche. Oh, je me sens cheap. Mais Jenny, elle mérite pas ça. Je me sens chanceux. Tout le monde dit que je la mérite pas, mais je sais pas. C'est pas à me dire récemment. Elle voudrait quand même me marier. Si tu veux. C'est une femme qui sait ce qu'il veut. Tu sais aussi, là, genre, j'ai une personnalité, là. Genre, j'ai mes idées, là. Puis oui, je pense souvent comme Rosalie, bon enfant. Mais écoute, là, je copie pas, là, on fait juste penser pareil, on a les mêmes valeurs. C'est différent. Puis tu sais, comme. Aussi, il faudrait pas qu'ils s'étonnent, hein. Genre, si je commence à répandre des rumeurs sur eux, là, c'est genre le karma, ça. J'haïs ça. J'arrête pas de penser à qui. À penser qu'on s'aimait, mais... Monsieur Albert Tremblay? Hey, le monde, là, il pense vraiment que je suis nouille, pis que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent dans mon dos? Faudrait pas que Jenny le sache. Ça me tente pas de recommencer à l'été. C'est compliqué et plate, là. Mais des fois, elle est tellement assez nouille que... Bon. Hey, c'est fou aussi, hein, à quel point le monde dans lequel on vit, il manque de respect. Ben, depuis qu'on a déménagé avec mon beau-père, ben, ça va mieux. Il y a Dahlia. Elle m'aide à faire passer les moments qui vont un peu plus mal. Mais c'est pas parce que je suis malheureux ou dépressif, c'est juste que ce serait une bonne raison à ma mère pour mes comportements bizarres, ça. Mais avec Dahlia, ça va mieux. Peut-être il faudrait que j'envoie un psychologue pour mes comportements. Peut-être parce que je suis peut-être malheureux ou dépressif, mais c'est pas ça. C'est juste que je suis mal à l'aise. Mais tout se passe bien avec Dahlia. Je veux vraiment fonder une famille, mais j'aurais peur que mon kid y soit lâche. Je veux pas qu'il soit lâche. Hey, ça serait vraiment le fun. C'est comme si là, tout le monde commençait à être honnête ensemble. Comme, j'ai pas raison. Là. Mais tu sais, c'est un chien, c'est sûr que c'est facile. C'est toujours mieux que, je sais pas moi, une plante. Monsieur Marc-Antoine Valois et Madame Jenny Lucier. J'aimerais peut-être avoir une personne assez bright à qui je pourrais me confier. J'ai un père que j'essaie de fuir. J'ai une mère déconnectée de la réalité, puis j'ai un beau-père effacé. Puis des amis un peu trop niaiseux. Puis un chien. J'aurais peut-être été bien malheureux, mais j'ai un chien. Monsieur Maxime Cholette.
Fait que, quel film qu'on va voir? Je vais faire de l'escalade. Un film d'aventure, ça serait pas pire, là. Mais y a pas de place proche pour en faire. Fait que, quel film qu'on va voir? J'ai le goût de faire de l'escalade. Un film d'aventure, ça serait pas pire. Mais y a pas de place proche pour en faire. Fait que, quel film qu'on va voir? Je veux faire de l'escalade. Un film d'aventure, ça serait pas pire, là. Mais y a pas de place proche. Fait que, quel film? Madame, madame! Madame, madame, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je pense que je vire fou. Aidez-moi. Depuis le temps, Docteur Forêt, vous connaissez très bien la nature de cette affliction qui frappe un nombre toujours plus grand d'innocents chaque jour. Je dois admettre que les conséquences de cette nouvelle maladie sur notre milieu sont, pour le moins, surprenantes et inquiétantes. C'est bien une première que de voir un enfant prisonnier d'un espace-temps clos. Il y a là une nouvelle voie de recherche qui s'offre à nous. Mais il y a plus! Depuis le temps, Docteur Forêt, vous connaissez très bien la nature de cette affliction qui frappe un nombre toujours plus nombreux d'innocents chaque jour. Mais il y a plus. Ils ont pris conscience de leur état de détresse. En effet, c'est fascinant. C'est fascinant. C'est fascinant. Cela affirme notre hypothèse initiale. Ce n'est malheureusement pas en leur permettant de comprendre ce qui se passe que l'on pourra les libérer de ce fléau. Pardonnerez mon arrogance lors de votre lecture, mais d'observer des hurluberlus agir en saut toute la journée. Ils n'ont aucun instinct de survie et ils iront bien vite vers la mort. Sans vouloir me vanter, je suis certaine que dans des conditions similaires, je saurais très bien m'en sortir. Sans vouloir me vanter, je suis certaine que dans des conditions similaires, je saurais très bien m'en sortir. Sans vouloir me vanter, je suis certaine que dans des conditions similaires, je saurais très bien m'en sortir. Sans vouloir me vanter, je suis certaine que dans des conditions similaires, je saurais très bien m'en sortir. Sans vouloir me vanter, je suis certaine que dans des conditions similaires, je saurais très bien m'en sortir. Sans vouloir me vanter, je suis certaine que dans des conditions similaires, je saurais très bien m'en sortir.